Bonjour à vous tous, euh, bonjour à tout le monde qui nous regarde. Bien sûr, c'est un grand plaisir Je reviens là. De toute façon, ma maison n'est pas loin et je suis très fier euh, qu'on puisse jouer sur un beau stade exceptionnel. J'aurais aimé avoir à mon époque, euh, même, mais je reste quand même attaché vis-à-vis Grimaud-Préjoris où j'ai vécu quatre ans inoubliables. Alors la tâche sportive va être difficile pour vos samouraïs bleus. L'équipe du Brésil n'a jamais douté devant vos, vos équipiers. Comment vous allez vous en sortir demain On va jouer contre la Brésil. Actuellement, ma meilleure équipe du monde. Ça, pour nous, c'est un grand, grand test. Euh, Bien sûr, le Brésil, c'est un grand favori, mais on va, on va tenter quelque chose, on va essayer de faire exploit, ça sera difficile, mais on sait jamais, dans le football, tout est possible. Comment ça se passe pour vous, Veidey au Japon C'est plus difficile d'entraîner là-bas qu'en France, par exemple non, c'est un petit peu plus facile. Vous savez, les Japonais, ils ont mentalité de travail, rigueur, disciplinée. disciplinée. Il n'y a pas autant de qualités qu'on a eu en France, mais quand même, euh, c'est une belle équipe. On s'est qualifié pour Coupe du Monde. Ça a été notre objectif. On prépare la Coupe du Monde avec beaucoup d'ambition et de détermination. Bien sûr, on n'est pas favori comme, comme, comme d'autres équipes comme le Brésil ou, ou la Belgique, on va jouer quelques, quelques jours après. Mais on est, on, personnellement, je suis très content, très fier d'entraîner cette équipe de Japon. Une dernière question on imagine que vous regardez de très près l'évolution du LOSC. Un mot, un commentaire peut-être sur, sur l'équipe aujourd'hui Bien, bien sûr que je garde avec beaucoup d'attention l'équipe de LOSC parce que je suis attaché vis-à-vis -vis de cette équipe. Et un petit peu d'inquiétude existe. Le nouveau dirigeant, le nouvel effectif, il faut un petit peu de temps, un petit peu de passion pour attendre un petit peu de meilleurs résultats. Récemment, ils ont mal communiqué. Ils ont dit tout de suite on va jouer Champions League. On n'arrive pas aussi rapidement et facilement comme ça. Je pense qu'il faut laisser le temps un petit peu aux nouveaux traîneurs, aux nouveaux nouveau dirigeants pour euh, installer le, 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 leur méthode, mais qu'est-ce qu'il euh, faut, reste toujours euh, dans cette. Euh attitude qui, 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 qui correspond à cette région. Il faut rester rigoureux, travailleur et beaucoup, beaucoup modestie et humilité. Merci beaucoup, Vaïdé d'avoir été avec nous en direct du stade. Donc, pour cette rencontre entre le Japon et le Brésil, ce sera demain à 13h.